Oui, en fait, la vie que l'on se donne pour exister est une belle illusion. Parce qu'on existe à travers ce qu'on désire. Et ce que tu désires, c'est quelque chose que tu projettes. Et quand tu projettes ce que tu désires, alors tu poursuis ce que tu projettes. Ce que tu as projeté et tu penses que tu as quelque chose. Mais en fait, tu as rien. Tu n'as que ton désir, le désir de tes envies. Tout ce que tu as voulu mettre en place pour pouvoir avoir une vie agréable. Mais cette vie agréable que nous avons tous envie d'avoir. Elle est quelque chose qui est fabriqué. Et quelque chose qui est fabriqué n'a pas d'existence. Ça se passe dans nos têtes. Donc la vie que tu connais, telle que nous la connaissons toi et moi aujourd'hui, dans ce monde, c'est de l'illusion. Ce n'est pas vrai. Ce sont des histoires que l'on se raconte pour se sentir bien. Et vois-tu, la pensée que tu as, elle sait raconter les histoires. Les histoires sont des choses qui sont fausses. Les histoires sont des choses qui te font rêver, qui ne sont pas vraies. C'est des choses que tu inventes pour pouvoir te réconforter de la vie monotone qui se passe. Voilà toutes les histoires que tu as dans la tête. Et avec ces histoires, tu te fabriques une vie. Tu te fabriques une relation, tu te fabriques ce que tu aimerais vivre. Mais en fait, tout ce qui se passe dans la rivalité. Parce que ce que tu aimerais n'est pas nécessairement ce que l'autre aimerait. Donc, dans la relation, il y a des conflits. Parce que tu exiges, tu voudrais que les choses soient à ton goût. Tu voudrais que les choses se passent au niveau où tu as un intérêt. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que chacun regardera midi à sa porte, comme toi. Donc il y a de la division et du conflit dans nos relations. Parce que nous sommes divisés les uns des autres. Nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes séparés les uns les autres dans notre petite bulle. Chacun regarde midi à sa porte. Ça ne peut pas marcher. Cette petite bulle, construite avec nos désirs, nos envies, nos projections, la projection de ce que nous aimerions avoir, est une illusion. Et si tu peux réaliser ça, alors que ferais-tu de la vie qui existe vraiment? Comment aborderais-tu la vie elle-même, la vie qu'il y a, la vie qui existe? C'est-à-dire tout ce qui se passe, tout ce qui se meut, les faits qui arrivent, la mort, la joie, la gaieté, la peur, les angoisses, tout ça arrive. Et ce n'est pas à ton goût. Tu cherches seulement ce qui sera à ton goût. Donc tu vas trier la vie. Tu vas mettre la vie dans la division, tu vas fragmenter la vie et tu vas vivre seulement ce qui est agréable. Mais est-ce que la vie peut être fragmentée? La vie peut-elle être divisée au goût de celui qui va trier? Ou la vie est un seul ensemble qui se meut d'instant en instant, qu'elle soit bien, mal, tranquille, tumultueuse ou agréable, elle est la vie. Et la vie elle-même n'a pas besoin de se sentir bien ou mal. Elle est ce qu'elle est. Et si tu veux vivre cette vie, il faut que tu adoptes cette raison
que tu puisses accepter tout ce qui arrive, sans trier, sans dire que c'est bien, c'est pas bien, parce qu'autrement tu seras toi-même en dualité dans ton corps, dans ton esprit. Il y aura des choses que tu voudras mettre sous le tapis pour ne pas les voir. Et quand on fait ça, on est mal. Parce que la vérité voudra toujours voir le jour. La vie fait en sorte que tout est là. Il n'y a rien à cacher. Tout est devant les yeux. Il n'y a rien à mettre sous le tapis. Le mensonge comme la vérité. Ainsi, dès que le mensonge est débusqué, dès que le mensonge est vu, dès que le mensonge est mis au grand jour, alors il n'y a plus rien qui pose problème. Parce que tout est réel. Ce qui est réel est vécu. Ce qui sont les faits sont là. Ce ne sont pas des choses que tu imagines, des choses que tu désires, des choses que tu projettes. Les choses que tu projettes ne sont pas vraies. Ce sont des histoires que tu te racontes, c'est-à-dire de l'illusion, du mensonge, qui n'existent pas. C'est des choses que tu aimerais avoir. Et tu attends que tu sois servi par ceux qui vont te croire, par ceux qui vont te faire plaisir, par ceux qui seront soumis à ton éthique, à ta position, à ta demande. Cette demande arrogante que l'on fait tous les jours dans nos vies. On supplie aux autres de nous donner un peu de joie, un peu de gaieté, un peu de quelque chose qui va nous sortir de nos habitudes et de notre train-train. On le demande, on implore, parce que on ne veut pas vivre la vie telle qu'elle est. On veut vivre ce qu'on veut. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu veux être heureux, si tu veux être libre, il faut que tu acceptes d'accueillir tout ce qui existe. Et de ne pas critiquer, de ne pas condamner, de ne pas juger en te disant « ça c'est bien et ça c'est pas bien ». Parce qu'à ce moment-là, tu reviens vers toi, tu reviens vers ce désir qui demande que toutes les choses soient à son goût. Il y a là, dans ce désir, un centre d'intérêt extraordinaire, insatiable, qui veut toujours plus et plus et plus et plus. Écoute, c'est pas grave qu'on ait ça. On l'a tous. Ce qui est grave, c'est de ne pas s'apercevoir qu'on est comme ça. Et prendre conscience de ça empêche la médiocrité de s'installer, empêche la division de s'installer. Prendre conscience de ce qui se passe en soi, de ce que l'on est vraiment. On est un paquet de demandes insatiables, compulsifs, réflexes. Il faut voir ça. Dès que tu l'as vu, tu peux le corriger, parce que tu es intelligent. La vie, c'est l'intelligence. Parce que ce qui émane de toi, c'est la vie. Et la vie, elle est ça, elle est intelligente. Alors cette intelligence te transcende. Tu n'es plus médiocre. Alors, tu es dans l'excellence. Tu intègres. Tu aimes. Et tu ne regardes pas les choses juste par intérêt de celui qui cherche à faire son petit monde à soi.